Yann Cadieu, on a su que vous étiez le nouvel entraîneur du Genève Servette. Comment ça s'est passé pour que vous vous retrouviez à ce poste? Disons, malheureusement, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Et c'est clair, on partage tous une part de responsabilité là-dedans. Et au bout d'un moment, le club a pris une décision qu'il fallait peut-être changer quelque chose. Et on m'a proposé de prendre ça. C'est un grand honneur, c'est clair qu'on m'a proposé de reprendre ça. Mais c'est pas une journée facile non plus aujourd'hui parce qu'on a partagé beaucoup de choses avec Patémon. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui a fait un excellent travail. C'est une journée un peu avec des émotions mélangées. Vous n'imaginez pas prendre vos fonctions comme ça? Est-ce que c'est une décision qui a été facile à prendre pour vous? Oui, elle a été facile à prendre parce que je connais ce groupe et surtout je crois dans tous les joueurs qu'il y a dans ce vestiaire. La décision elle a été assez facile à prendre pour ça parce qu'on a un très bon groupe malgré les défaites. J'ai vu des gars qui n'ont jamais lâché, l'ambiance à l'intérieur du groupe est très bonne. C'est des points qui sont très importants. C'est clair, si je le sentais pas, j'aurais vraiment hésité, mais là, à aucun moment j'ai hésité. Et c'est comme j'ai dit, je sais aussi tout le bon travail qui a été fait en amont par toutes les autres personnes et il y a des très bonnes personnes dans le staff aussi et ça a facilité un peu la décision d'accepter ce challenge. On a vu déjà des réactions dans le public de gens qui disent que remplacer l'head coach par son assistant ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Moi j'ai juste une chose, j'ai juste envie d'une chose, c'est qu'on gagne des matchs et le reste moi je vais me concentrer sur moi, c'est ce que j'ai à faire et comment je dois le faire et surtout sur les 25 joueurs qui sont dans le vestiaire. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens qui ont des visions différentes et moi je ne vais pas me concentrer là-dessus, je vais me concentrer sur nous l'équipe parce que comme j'ai dit, je crois dans le potentiel de cette équipe et je veux aller vraiment de l'avant avec cette équipe.